Bonjour, je commence mon tour d'horizon d'Hermanville 2018. Magnifique manifestation, gigantesque manifestation. Plus de 110 participants, toutes disciplines confondues, et beaucoup, beaucoup de bateaux et de clubs qui ont eu la gentillesse de venir. Donc nous allons commencer dans quelques... Allez, on va dire 1h30, 2h, le public va pouvoir nous rejoindre. Et je profite du calme relatif avant la tempête pour vous montrer un petit peu les beaux bateaux que nous avons ici. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd, vous allez le voir. Et il n'y a pas que des bateaux. Donc là, chaque club présente ses réalisations, bateaux, voire voitures, des fois. Donc là, je resalue mes amis du Model Club de la Cour Roland, qui sont venus jusqu'ici. Donc Hermanville sur mer, dans le 14, Calvados. Et hop, je passe chez nos voisins de Brest. Hello. Salut les amis, nous sommes à table. Bon appétit, je vais présenter, je vous présenterai un peu plus tard le magnifique... C'est quoi d'ailleurs comme cuirassé celui-là ? Richelieu. Le Richelieu, bah, je viendrai faire un reportage spécifique sur ce Richelieu parce qu'il le mérite. Hein. Surtout que nous le verrons sur l'eau mes amis, nous le verrons sur l'eau. Les coutants secs, je vais retrouver aussi. Donc là, je vous ai présenté une infime partie des bateaux qui vont naviguer aujourd'hui et demain, dimanche, par un magnifique temps et plus de 30 degrés Celsius. Regardez ça, regardez ça. Je sais que je vais vite, mais bon, j'ai tellement de choses à vous montrer. Alors juste pour information, celui-ci est électrique, hélas. Comme tout cela. J'ai déjà montré Sylvie par ailleurs. Petite réalisation bien mise en valeur. Et celui-là sera aussi bientôt vaporisé, entre guillemets. Petit drifter. Les amis de la confrérie, je suis heureux de retrouver avec des engins sophistiqués. Putain, des sous-marins, vous êtes forts là. Lachlan McClay. J'espère que je le verrai sur l'eau, s'il a été rigolo. Alors ça, c'est pas un bateau, c'est un paquet de chips. Hein. Voilà. Et ça non plus, c'est pas un sous-marin, c'est un saucisson. Donc petit coucou, j'en profite, petit coucou à Philippe, qui se décarcasse vraiment pour notre confrérie. Et j'en profite pour le remercier. Merci pour lui. Et puis, je l'ai trouvé en Angleterre. Moi, j'ai eu la chance de le trouver en France, chez un antiquaire. Ah oui. Entre le petit puce d'eau que nous verrons, je l'espère, que tu le feras naviguer, ta petite puce d'eau. Oui, oui, donc, oui. Et ces magnifiques camions à vapeur. Ah, mais là encore, il y en a d'autres ici, des machines à vapeur. Le tank, il n'est pas vraiment à vapeur, mais. Oh la génial, la petite Morgane! Ah oui, ça c'est mon collègue qui l'a faite en partant d'une photo. Sympa. Et le moteur ressemble à un Saito, mais ce n'est pas un Saito. Ah oui, parce que j'allais dire, je reconnaissais la... Ah oui, ben non. C'est à la fois, on dirait, des cylindres de peut-être, de, je sais pas, non, non c'est non, pas non, un Saito. C'est que de la récupération. Bah, le mec est bon, hein, parce que je peux te dire que... Bah, c'est moi qui l'ai fait. Ah bah alors, le mec est bon. Et les raccords vapeurs, ce sont des raccords de carburateurs Strömberg, qui ont à peu près 40 ans, qui traînaient dans ma caisse. Merveilleux, merveilleux. Et l'hélice, elle est fait maison. J'ai oublié d'y passer un petit coup de miroir. Alors, mais j'en profite. Elle est magnifique. C'est pas une Rivabo, c'est une copie. C'est un alors, ça, je peux te dire qu'elle est notre gueule parce qu'elle est belle. Hein. Hop. Et il fonctionne très bien. Bah, pourquoi fonctionne ? Et je peux te dire que pour la petite histoire, les colonnes qui sont là, ce sont des prolongateurs de comparateurs. Pour ceux qui sont. Pour les connaisseurs. Pour les ajusteurs. Ouais. C'est de la récup. Tout est de la récup. Bah écoute, c'est magnifique. Voilà, bah les amis, je vais vous dire au revoir pour cette première partie, car je vais aller loin, loin, loin vous montrer la suite. Au revoir les amis.